faire un petit euh, une petite présentation brève de chacun intervenant ou on rentre directement une stress euh, comme vous le voulez bon, En fait euh, moi je suis Jean-François et Hugues euh, c'est <laughs> ma... voilà, c'est <laughs> juste pour... Euh... ça y est. Ok très bien, Alors, on va rentrer en vue du sujet. Alors on va commencer avec Hugues. Alors Hugues, en quoi l'hyperconnaissance de l'individu change votre métier de sondeur Alors bonjour à tous tout d'abord, euh, L'hyperconnaissance du client, c'est vrai que c'est un peu une expression qui nous parle puisque c'est notre métier finalement de, de chercher à mieux connaître euh, le, le client et, et surtout d'apporter à, à nos clients, à nous, une information la plus fiable et la plus utile possible. Donc mieux on connaît le client et euh, plus c'est intéressant pour euh, nos propres clients, les clients d'Opinionway. Alors aujourd'hui parler d'hyperconnaissance du client dans notre métier des études. Il y a eu plusieurs évolutions fortes, plusieurs transformations technologiques fortes. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais en deux mots, on est passé de l'interrogation face à face au téléphone dans les années 80, et depuis les années 2000, on est passé du téléphone à l'Internet, évidemment, les études en ligne, qui aujourd'hui sont l'outil dominant, la technologie dominante dans notre métier, même si on n'a pas abandonné complètement le téléphone et le face à face. Aujourd'hui, la révolution technologique qu'on vit dans notre métier... C'est bien sûr la data, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et ce qui est intéressant, puisqu'on parle d'hyper-connaissance du client, c'est que grâce à la data, on peut apprendre sur les clients de nos clients euh, des informations absolument euh, incroyables. Et, et notre conviction à nous, chez Opinionway, c'est de penser que l'hybridation entre l'interrogation des clients, parce que ça aussi c'est de la data finalement, quand vous interrogez euh, vos clients, vous produisez de la data, c'est ce qu'on appelle le déclaratif. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans la révolution technologique qu'on vit, c'est que on peut capter de la data. Et là, Jean-François en parlera mieux que moi. On peut capter de la data qui est extrêmement intéressante pour décrire les pratiques, les comportements des clients. Et, et effectivement, on, on peut décrire à l'infini les pratiques des clients. D'où l'expression hyper connaissance du, du client. Mais le problème, c'est qu'avec la data, on n'a pas toujours l'explication de ces comportements. C'est-à-dire qu'on ne, on ne sait pas toujours donner du sens à euh, ces millions, ces, ces, ces volumes incroyables de données. On décrit beaucoup, mais est-ce que cette information, elle a toujours du sens et est-ce qu'elle est toujours utile aux, aux donneurs d'ordre ben, C'est là que la question se pose et c'est pour moi le sujet majeur. Nous pensons, nous, chez Opinion Way, que... qu'en... En faisant des allers-retours entre la, la data captée par la technologie, Jean-François en parlera encore une fois mieux que moi, et la data que nous, euh, société d'études, nous collectons en interrogeant les clients, eh bien, on peut donner du sens, on peut expliquer euh, les pratiques, on peut expliquer les comportements, et surtout on peut identifier des leviers pour, en marketing, influencer encore mieux les clients, vendre un peu plus et atteindre... De manière plus efficace, plus rapide et moins chère, les objectifs que toutes les entreprises et toutes les organisations se, se fixent. Alors, comment capter la data Là, c'est plutôt, je crois, Jean-François qui, qui en parlera mieux que moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'évoquer le, les différents types de data qu'on va qu'on va pouvoir capter. Et alors, chez, chez OpinionWay, on appelle ça la, la donnée passive, en fait, c'est-à-dire qui, qui est captée. Euh, sans qu'il y ait une interrogation euh, du euh, client euh, et sans qu'on aille voir, sonder le client euh, en face à face. Alors pourquoi est-ce que d'ailleurs on se retrouve sur cette scène ensemble, euh, Hugues et moi-même euh, bah Parce qu'en en fait on s'est rencontrés euh, en, en discutant un petit peu de transformation digitale et euh, on se demandait mais finalement euh, c'est quoi aussi la transformation euh, digitale euh, d'un opinion way, d'un sondeur euh, et, euh, et Hugues m'expliquait que finalement, euh, ça faisait un moment qu'ils avaient déjà. Euh, fait euh, du digital chez, euh, chez OpinionWay parce que euh, vous étiez euh, le premier sondeur euh, sur internet me semble-t-il oui, à, à, à faire des sondages de <laughs> à faire des sondages sur internet mais également euh, euh, parce que vous aviez remplacé les enquêtes papier par euh, des tablettes quand euh, vous faisiez du euh, du one one et justement on a cette discussion de mais ça c'est pas forcément de la transformation digitale c'est de l'outillage digital du métier traditionnel de sondeur. Et donc on se demandait comment on pouvait modifier encore plus en profondeur ce métier de sondeur, justement en allant chercher les outils du digital pour faire de la captation passive de la donnée. Et c'est là que justement on a commencé à chercher des, des cas d'usage pour, pour croiser, hybrider les données entre ce qu'on était capable de capté avec des capteurs et après je vais revenir un peu sur la partie technique justement des, des capteurs et, euh, et ce qui pouvait être expliqué derrière. Alors ça amène plusieurs, euh, plusieurs réflexions, c'est que finalement euh, on sait euh, d'un point de vue technique on s'est rendu compte qu'on capte énormément de, de données, on a beaucoup de capteurs. D'ailleurs, je suis sûr que dans la salle, il y a plein de gens qui travaillent sur la manière d'utiliser des capteurs qui proviennent de l'IoT, etc. Vous avez tous des data lakes dans lesquels vous déversez des milliards de, de data, etc parfois vous dites on est assis sur des fortunes de données parce que enfin, des fortunes puisqu'en l'occurrence on a ces data lakes avec toutes ces données à l'intérieur sauf que tant que les données ne sont pas expliquées et qu'elles ne sont pas utilisées dans le cadre d'un cas d'usage précis en fait elles valent rien et c'est encore pire que ça c'est que parfois on se rend compte aussi que lorsqu'on veut aborder le cas d'usage les données qu'on pensait Pouvoir utiliser et qui avait une valeur si incroyable, bah finalement euh, elles n'ont pas été captées de la bonne manière et finalement elles ne détiennent pas l'information euh, qu'on qu veut avoir dedans. Donc euh, euh, on en est arrivé aussi à regarder bah, comment on pouvait euh, euh, interpréter euh, ces données et ce qu'on pouvait en faire. La première chose qui est euh, amusante, c'est que les techniciens euh, on, on aime bien euh, avoir une automatisation de la chaîne du début à la fin. Donc euh, Quitte à y passer beaucoup de temps, mais euh, il faut que tout soit automatique du début à la fin. Alors on capte, on balance ça dans un data lake, dans, une, dans du big data, puis alors ensuite on va faire tourner des algorithmes automatiques qui vont nous sortir euh, du sens à ces données. Donc du coup, en fait, on se retrouve à avoir euh, euh, du machine learning, du deep learning, des choses comme ça, qui vont vous faire des corrélations entre les données. C'est-à-dire que vous avez des masses de données énormes vous cherchez un algorithme qui vous sort des corrélations que vous n'auriez vous pas pu imaginer. Mais en fait, il y a plus simple que ça. Il y a plus simple, il suffit d'aller voir la personne qui est à l'origine de la génération euh, des données et lui poser la question de pourquoi est-ce que tu as passé autant de temps devant le rayon fruits et légumes du magasin. Euh, et c'est là où en fait on en arrive au use case qu'on a avec euh, Opinionway. C'est que... Si vous, allez, si vous vous rendez sur notre stand, on a mis un petit démonstrateur avec, de, avec un type de capteur qui s'appelle de la computer vision. En fait, on a un capteur, une caméra que, qui est placée au-dessus d'une de, maquette de, 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 de magasin, euh, qui a d'usage retail pour le coup, euh, et où on est capable de suivre. Euh, bah, tous les clients du magasin qui se promènent dans le magasin et d'avoir de, et de, euh, toutes les statistiques qu'il faut, combien de temps ils passent à aller de tel rayon à tel rayon, etc. Je suis sûr que vous connaissez tous aussi euh, ce type de use case. Euh, certains le font en suivant des téléphones, euh, d'autres le font euh, en suivant euh, les caddies qui sont équipés euh, de capteurs, etc. Nous, pour le coup, là, on le fait avec euh, de l'intelligence artificielle qui est couplée à une caméra. Et donc, on fait de la captation de données. On a essayé de faire énormément de corrélations justement sur qu'est-ce qui motive une personne à rester pendant aussi longtemps devant un étal de tomates. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'en faisant un sondage sur certains, cas, sur certains cas qui ressortent un petit peu de l'analyse passive qu'on est en train de faire, donc en récupérant la personne à la sortie du magasin avec un sondeur. Qui va être capable de lui poser les bonnes questions et ensuite de faire ces fameuses corrélations, ben on arrive à expliquer beaucoup plus la donnée et de manière beaucoup plus intelligente finalement que si on demande à du deep learning de le faire à notre place. Du coup, on parle données et connaissances clients, mais du coup, on peut poser cette question finalement est-ce que le, le, le big data, est-ce que le big data permet finalement d'avoir une vraie connaissance client au-delà du global sur le point individuel la conviction qu'on a, c'est que, en fait, si chacun reste dans son monde, on, on échappe à beaucoup d'informations. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple du, du retail, ce, ce, ce cas que vient d'évoquer Jean-François, si euh, nous, société d'études, on se contente d'interroger le, le consommateur, le shopper, on ne va pas pouvoir l'interroger sur son comportement, on ne va pas pouvoir lui demander combien de temps il est resté, 3 minutes 30 dans tel rayon, 2 minutes 50, pourquoi il est resté, pourquoi il est allé dans ce rayon et pas dans l'autre. C'est impossible de lui poser toutes ces questions en déclaratif. Et donc là on a besoin de technologies qui, qui vont capter toutes ces données-là. Qui ne vont pas être intrusives parce que le shopper il, il n'a pas toute l'information il est incapable de nous restituer de mémoriser et, et il serait de toute façon lassé si on l'interrogeait pendant trois heures sur tout ce qu'il a fait seconde par seconde ou même minute par minute dans euh, le point de vente donc on a besoin de cette technologie mais je dirais que l'autre monde de la technologie pure de la captation de données de la même du big data Jean-François l'expliquait très bien euh, il manque du sens à tout ça alors bien sûr les corrélations peuvent produire du sens. Euh, et les corrélations, parfois, c'est de la causalité. Mais pas toujours. Et puis, quelles données capte-t-on On ne sait pas toujours quelle est la bonne donnée à capter, quelle est la bonne donnée à utiliser. Et donc, le fait d'interroger, d'hybrider avec de l'interrogation, ben finalement, cette rencontre des, des deux mondes, on va interroger le client, mais on l'observe, on analyse, on capte toutes les données possibles sur son comportement, c'est ça qui, est, qui permet véritablement l'hyperconnaissance du client et qui fournit des informations incroyablement utiles et, et vraiment alors, pour le coup, très opérationnel. pourquoi, vous êtes, pourquoi vous, vous êtes passé du rayon a au rayon c sans passer par le rayon b? pourquoi? Bon, c'est difficile, par le big data pur, par les corrélations simples, de comprendre ce comportement. si vous l'interrogez, bah vous, vous allez avoir un facteur d'explication, et vous allez prendre ensuite euh, des mesures, vous allez prendre des décisions au marketing pour faire en sorte que le client, la prochaine fois, euh, <laughs> il s'arrête aussi dans le rayon B. Voilà un peu le, ce, 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 ce cas qui me semble intéressant. Alors il y en a d'autres, on va peut-être en parler d'autres aussi. Oui, ben justement, en fait, euh, euh, effectivement, puisqu'on parlait du client qui s'est arrêté devant son rayon de tomates pendant 3 minutes et demie, finalement, il n'en est peut-être pas conscient lui-même. Donc, il ne va pas le restituer au sondeur. Donc, c'est vraiment la, la, le, les deux en même temps qui ont un intérêt. Et justement, pour rebondir sur un autre exemple, on travaille actuellement euh, donc euh, GFI et Opinionway euh, chez un de, de chez, chez euh, euh, avec la, la prévention routière euh, qui euh, lance euh, un. un un grand programme, donc euh, qui, qui sera euh, lancé euh, officiellement, et qui sera euh, expliqué euh, par la prévention routière euh, au mois de janvier. Je vous invite à aller suivre sur cette actualité parce que vous verrez que c'est quand même intéressant, ce qui ce qui est en train d'en sortir. Et euh, en l'occurrence, euh, nous l'idée, ce qu'on a pro proposé, fort de toute cette analyse euh, OpinionWay et GFI à la prévention routière, c'était de, de dire bah voilà, en fait, quand vous voulez faire euh, une étude des comportements routiers des Français avec tout un tas d'actions de, de, qui sont différentes, on va essayer de travailler euh, sur de la donnée euh, hybridée, justement. Euh, et l'intérêt ici, c'est juste de comparer euh, la réalité des choses qui sont factuelles et du coup euh, qui sont captées de manière passive dans le véhicule euh, de la personne qui est en train de se déplacer euh, avec euh, la déclaration qu'elle peut avoir sur son comportement. Et en fait, c'est assez étonnant. Euh, je, été, euh, je suis le premier cobaye de, de, ce, de ce sujet. Euh, j'ai euh, une très bonne estime de la manière dont je peux conduire euh, et je conduis extrêmement bien. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'au moment où, en fait, euh, le data scientist a commencé à m'expliquer me, à ce que c'était qu'une accélération trop violente ou un freinage. Euh, Enfin, je dis ça en plus, j'ai cassé ma voiture ce matin en arrivant ici, hein. donc euh, voilà. il n'y aura plus tellement de, de données ces prochains jours. Mais en l'occurrence, on est effectivement sur ce cas-là. On a équipé, on équipe, c'est le, le but euh, dans les, 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 les jours là, euh, qui, qui viennent. On va arriver à un panel qui est quand même très important de personnes qui sont euh, suivies euh, via de la captation de données sur des téléphones. Donc, en fait, on utilise les smartphones pour ne pas être trop intrusif et pour pouvoir changer de panel très fréquemment en fonction des sujets d'études qu'on peut avoir avec, avec la prévention routière. Et donc, l'idée, c'est une application. Je capte 200 000 valeurs par heure et par personne sur, mon, sur le, le mobile, le tout en n'utilisant que 1% de la batterie. J'espère que les spécialistes de la salle apprécieront le geste. Et, que, et du coup, toutes ces données, je vais les renvoyer dans un data lake et que du coup, je vais utiliser pour pouvoir faire une analyse factuelle de la manière dont je conduis nombre d'accélérations trop importantes. Alors bon évidemment il faut savoir ce que c'est qu'une accélération trop importante, euh, euh, le, des freinages qui sont importants également, euh, des prises d'angle qui, qui peuvent être importants aussi. Euh, on est capable aussi en croisant des données comme par exemple euh, les données de, euh, de signalisation, un stop. Ben, si euh, vous avez un stop sur une route et que le véhicule euh, est dans, une, euh, dans, dans cette direction et ne s'arrête pas, ben, finalement, juste avec le téléphone, on le sait. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, on sait repérer quelqu'un qui ne va pas s'arrêter à un stop, ou, euh, etc., etc. Mais ce qui est amusant, justement, une fois qu'on a fait toutes ces captations et qu'on a expliqué les comportements euh, routiers, etc., ben, c'est de croiser ça avec euh, du déclaratif. Et donc d'aller voir les gens et de leur demander, comme on l'a fait avec moi-même, comment est-ce que tu penses conduire Est-ce que tu penses que tu conduis avec des à-coups Est-ce que tu penses que tu respectes toute la signalisation Est-ce que tu as une conduite différente le samedi soir quand tu sors ou la semaine quand tu vas travailler Pour peu qu'on puisse conduire rapidement dans Paris quand on va travailler pendant la semaine. Euh, mais bon voilà, là, là on est sur un cas où l'hybridation des données euh, peut-être tu veux rebondir Oui alors là on est même sur une hybridation à trois niveaux puisque si vous, vous avez bien suivi euh, l'explication de Jean-François il y a de la donnée captée par smartphone dans le véhicule et, et là c'est assez extraordinaire ce qu'on peut recueillir comme, comme, collecter comme données pour un, quelqu'un comme moi qui a fait ce métier depuis quelques dizaines d'années bah, vous imaginez bien qu'un conducteur vous ne pouvez pas l'interroger sur le nombre de coups de frein brutaux ou pas. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la notion de, de, de brutalité du coup de frein pour un, un, dans du déclaratif Ça n'a pas de valeur. Enfin, je dirais que c'est purement subjectif. Alors que si vous le mesurez, si vous le captez avec un smartphone, vous imaginez le nombre de données qu peut, euh, qui étaient inaccessibles pour une société comme OpinionWay il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on, on, on arrive à collecter des, des données incroyablement fiables et nombreuses Grâce à, grâce à ces technologies. Bon, euh, on va hybrider évidemment ces données pour un même conducteur avec son déclaratif, sa perception à lui de sa conduite. Est-ce qu'il se considère comme un bon conducteur est -ce que, euh, Pourquoi est-ce qu'il s'est comporté de telle manière Ça, ça va être extrêmement intéressant. Mais dans l'exemple de Jean-François, il y a aussi un troisième type de données, c'est de l'open data, puisqu'on va aussi utiliser des données de météo, des données euh, de signalisation routière, Jean-François l'a dit, des données aussi qui concernent le revêtement, la qualité du revêtement, l'enjeu, enfin, voilà. c'est pas comme dans le retail où on veut vendre plus, là c'est diminuer le nombre d'accidents, donc c'est quand même un enjeu euh, majeur. Et cet observatoire que l'association prévention routière est en train de monter. Eh bien, nous arrivons à, utiliser des, euh, à hybrider des données qui proviennent donc de cette captation, de l'interrogation et de l'open data. Et, et là, on attend beaucoup de cet observatoire. Il va être lancé en, en, en janvier. On est en, en pleine phase de, 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 de test. Et, et de récupération de données. De récupération même, de données. Test, là, et, et là, l'intervention d'une société comme OpinionWay est intéressante parce que euh, nous avons, nous, des panels, des gens qui acceptent de télécharger l'appli. Il faut quand même des gens qui acceptent de jouer le jeu et il en faut un certain nombre. Il y a une dimension un peu intrusive. Donc nous, nous avons une bonne relation avec nos panélistes. Nous les, nous les récompensons, nous les incentivons. Donc il, faut, il y a cette phase-là et il ensuite la capacité à analyser, à traiter ces, ces données. C'est notre métier de traiter des données. Alors évidemment... On est moins habitué, les sociétés d'études sont moins habituées à traiter euh, les volumes euh, de, de données. Il faut acquérir de nouvelles compétences, recruter de nouvelles expertises. Et, et on a parlé des data scientists, mais je dirais que le fond du, du sujet, c'est quand même de, de traiter, d'analyser de la donnée et de lui donner du sens. C'est ça notre, notre métier fondamentalement. Alors en fait, après, ce qui était intéressant également, c'est de regarder euh, toutes ces technologies d'acquisition de données. Euh, finalement, on s'est rendu compte euh, aussi euh, dans le temps que euh, la captation de données, c'est quelque chose de pas si simple. Euh, que on a beau avoir euh, énormément de types de capteurs de données qui existent dans les domaines de l'IoT, etc. On peut aller faire de la captation de données euh, sur les réseaux sociaux. Hein, je suis certain que beaucoup d'entre vous euh, euh, utilisent ce genre de choses euh, pour mieux connaître leurs clients. Euh, et vont pouvoir hybrider justement les données en provenance des réseaux sociaux avec euh, bah, des bases de données qui sont euh, vos bases de CRM par exemple, plus maintenant des nouveaux types de capteurs euh, qui peuvent exister. Mais euh, on se rend compte de plus en plus qu'il faut aussi inventer euh, les capteurs, qui sont les capteurs, qui sont euh, euh, les capteurs adéquats pour pouvoir faire euh, le type de de sujets qu'on veut traiter. Et typiquement, euh, le cas qu'on était en train d'évoquer là, de, de la surveillance de, de, du comportement routier, on se rend compte, on pourrait se dire, mais finalement, il euh, y a déjà plein de gens qui captent euh, ces informations euh, au travers de, euh, allez, je, je vais citer Waze euh, euh, et leur maison-mère Google, euh, etc., qui effectivement euh, prennent de la donnée sur euh, la, les, les itinéraires que vous pouvez avoir. Sauf que... Si je veux vraiment faire une analyse, si mon, mon cas d'usage, euh, c'est de faire une analyse euh, du comportement routier avec des choses comme les accélérations, euh, la manière dont je prends un virage, euh, euh, etc., mais en fait, je n'ai pas ces données-là euh, qui sont captées euh, par euh, ce type d'acteur. Je suis obligé d'aller recréer des capteurs qui sont différents parce que j'ai besoin d'utiliser un accéléromètre, un gyroscope avec un taux d'échantillonnage qui est pas du tout celui qu'on a l'habitude d'avoir habituellement, de faire un échantillonnage du GPS par exemple à plusieurs peut-être dix fois par seconde. Enfin, vous voyez le genre de captation de données est complètement différent et est lié au cas d'usage. Je prends un autre exemple. Euh, on travaille actuellement pour, euh, pour une ville euh, qui, est, euh, qui est en Belgique, euh, qui est euh, une petite ville mais euh, très orientée euh, sur le digital. Et euh, ils nous ont dit que ce qu'ils voulaient faire, c'était réorienter euh, la conduite euh, des gens en fonction euh, de l'occupation euh, des, des voies euh, et de la manière dont. Euh, en gros, s'il y a beaucoup d'embouteillages, j'envoie des alertes partout et je demande aux gens de se détourner, de prendre un autre itinéraire, etc. Donc on travaille là-dessus, on a retravaillé sur le type de, de, de capteur qui nous permet de surveiller la circulation et la manière dont ça... Donc on travaille encore avec de la computer vision d'ailleurs, c'est des capteurs qui sont pas chers et pour peu qu'on ait le bon jeu logiciel derrière, ça permet de faire des choses assez extraordinaires. Mais en fait, ce qui nous intéresse derrière, c'est de comprendre. Aussi, pourquoi une personne qui se jette dans un bouchon, à qui on dit tu vas avoir un itinéraire de délestage, tu prends à gauche et tu vas gagner un quart d'heure, continue à se quand même à rester dans son bouchon Et ça, en fait, les capteurs, ils vont jamais nous le dire. Et c'est là-dessus qu'en fait, OpinionWay réintervient pour pouvoir aller sur le terrain, euh, bah, interroger justement le véhicule qui d'ailleurs est immatriculé. Euh, Enfin, dont on a l'immatriculation grâce au capteur euh, et qui, euh, malgré les avertissements qu'on lui a donnés, euh, continue à vouloir absolument euh, avancer. dans le... Il y a des choses qui sont parfois évidentes. Hein. Bah, je suis désolé, mais je ne vais pas faire le détour puisque j'habite là. Bon, ça, évidemment, euh, alors on aurait pu lancer du machine learning là-dessus, mais il valait mieux demander en fait, à la personne. Quoi. J'aime bien écouter Jean-François parce que je comprends en l'écoutant que le big data n'est pas en train de tuer les, les instituts de sondage. Donc merci Jean-François. Euh, ben, vu l'heure qui tourne, je vais vous remercier tous les deux pour la persuasion à cette table ronde et on va enchaîner avec la classe suivante qui porte sur les technos de social media, management, influence et influenceurs. Alors merci à tous les deux, puis je vais appeler les prochains intervenants. Merci. Merci. merci.